Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, entretien de votre sèche-linge, de la sonde de votre sèche-linge, en fait du capteur d'humidité pour être plus précis, de votre sèche-linge. Alors, vous allez me dire comment il peut être sale un capteur d'humidité? En fait, tout simplement, quand vous lavez, vous mettez de l'adoucissant ou des lessives liquides dans votre lave-linge, quand vous transférez de votre lave-linge vers le sèche-linge, il y a parfois les vêtements qui sont encore un peu chargés de cette lessive et donc ils peuvent déposer une petite pellicule sur le capteur. Alors, quelles sont les conséquences et comment allez-vous le voir? Parfois, vous allez vous dire, tiens, avant, je mettais 6 kilos, le sèche-linge mettait 1h30, maintenant, il met 1h50, 2h. Le capteur met peut-être un peu plus de temps parce qu'il n'est plus aussi propre qu'au début. Alors, comment le nettoyer? Très simplement, un peu d'alcool dénaturé. Tout simplement. Alors, dans ce cas-ci, le capteur se trouve à l'arrière. Ça dépend des marques. Il m'est impossible de faire une vidéo pour chaque marque, chaque produit évidemment. Donc parfois les capteurs se trouvent en bas, parfois en haut. La plupart du temps, ils se trouvent à l'intérieur ici par une petite tétine métallique pour certains modèles. Là-dessus, vous avez parfois des petites pluches. On a déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Enlevez les pluches et évidemment dégraissez votre capteur, ça c'est la meilleure chose à faire, un tout petit peu d'alcool dénaturé, vous passez dessus, en fait vous le dégraissez et vous lui redonnez en fait une belle propreté qui permettra de détecter le taux d'humidité et d'avoir en fait un séchage correct et de ne pas allonger inutilement le temps de séchage de votre sèche-linge. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, entretenez correctement vos électroménagers. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche si vous souhaitez être prévenu des notifications. Sinon, tous les samedis matin à 10h, il y a une nouvelle vidéo. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !